وبعد إخوة الإيمان، جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Mes frères dans la foi, soldats de notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par lequel on est aujourd'hui dans l'islam et dans la guidée, grâce à lui on est dans l'islam et dans la guidée, et par la création de Dieu, parce que c'est Allah Ta'ala qui crée la guidée. Soldat de notre bien-aimé, le prophète Mohammed, notre Seigneur, a dit dans le Coran al-Karim, l'aya que j'ai cité, et lorsque Luqman a dit à son fils, pendant qu'il lui donne conseil, mon fils, n'associe pas à Dieu, parce que l'association est une grande injustice. إذن الله تعالى يخبرنا في القرآن الكريم في عدد من الآيات في هذا الذكر الحكيم كيف كان يعظ لقمان ابنه وكيف ينبغي للواحد منا أن يسمع تلك الآيات فيتعظ، وكيف يكلم ولده، كيف يؤدب ولده، كيف يوجه ولده. Dans les conseils qu'Allah Ta'ala nous l'a rapporté de Luqman à son fils, il y a quelque chose à méditer pour nous, comment on doit éduquer nos enfants et comment on doit les orienter, les protéger, les préserver, les guider, les amener vers la bonne éducation et les bonnes habitudes. هذا لقمان قيل إنه نبي، لكن القول الصحيح إنه رجل صالح. لقمان c'était un homme, ça a été dit, c'est un avis faible, qu'il était un prophète, mais non, il n'était pas un prophète, était un homme saint, un homme pieux. Ce n'était pas un prophète, et Allah a parlé de lui dans le Coran Karim. Et il y a une sourate dans le Coran Karim qui s'appelait sourate Luqman. Mais vraiment, alors c'est un homme exceptionnel qu'Allah Ta'ala a parlé d'un saint dans les communautés précédentes, parce qu'il était au temps de Daoud alayhi salam, et il a parlé de lui. Il y a une sourate qui a le nom Luqman, sourate Luqman. وعظ ولده مستفتحا النصح بالابتعاد عن الشرك محذرا له واصفا بأنه ظلم عظيم. إلى commencer le conseil à son fils par le fait de lui dire « Éloigne-toi de shirk parce que c'est une grande injustice. » وبعض الأنبياء قال رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. Alors Ibrahim عليه السلام, qui est préservé de la mécréance, a dit « Oh Allah, préserve-moi ainsi que mes descendants d'être parmi ceux qui adorent les idoles. » Et ça, c'est une invocation à connaître, à savoir, pour que nous-mêmes, on demande à Allah Ta'ala qu'il nous préserve de l'adoration des idoles ou de shirk et de toutes sortes de mécréances. فالأمر بالتوحيد والإيمان والتحذير من الكفر هو أهم ما يؤمر به العبد على الإطلاق. Le fait d'ordonner, de maintenir la foi, de maintenir le tawhid, et le fait de dire aux gens « Méfiez-vous de la mécréance », c'est la chose la plus importante dans le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. Abadam. أعظم الأمور على الإطلاق من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى التوحيد والإيمان والابتعاد عن الكفر. وقد ورد أن الملائكة تتعجب في هذا الزمان ممن يموت على الإسلام. Ça a été rapporté que les anges, ils se trouvent, qui sont étonnés lorsqu'ils trouvent une personne qui meurt dans l'islam, parce que de chaque 1000 personnes le jour du jugement, 1000 personnes, 999, c'est pour Jahannam, et une personne pour le paradis.
إن أكثر الناس وإن حرصت ليسوا بمؤمنين. La plupart des gens, on a dit à Sayyidina Muhammad, même si tu fais ton effort, même tu, la plupart, ils vont pas croire. أنت اليوم حضرت الجمعة يعني الله من عليك بالإسلام من عليك بالتوحيد وفقك لأن تترك العمل والأهل والمال والولد للصلاة أي نعمة أنتم فيها اشكروا الله الذي هداكم وهو الذي وفقكم والذي سددكم. Aujourd'hui vous êtes là avec la foi, avec l'iman, avec le tawhid. Vous êtes venus pour faire la prière du vendredi et certains ont délaissé le travail et certains ont délaissé la famille et le commerce. Quel bon acte. Et c'est la guidée de Dieu, c'est grâce à Dieu. Louez Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. وبعد أن حذر لقمان ولده من الشرك أخذ يعلمه فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فأفهمه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Après qu'il lui a parlé de tawhid, de l'iman, encore il lui a parlé de certains attributs de Dieu en lui disant, mon fils, si c'était un grain de moutarde qui se trouve dans, à l'intérieur d'une roche ou qui se trouve dans les cieux ou qui se trouve dans la terre, Allah est tout, le Tout-Puissant pour la ramener. Allah Ta'ala, celui qui sait les choses en détail. Alors il a enseigné à son fils qu'Allah Ta'ala est le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, rien n'échappe à sa science. حتى لما تقول لا إله إلا الله فمعناه لا خالق إلا الله ومعناه أن الله على كل شيء قدير ومعناه أن الله بكل شيء عليم ومعناه أن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير. Lorsque tu enseignes à ton fils qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, c'est inclus. Lorsque tu dis c'est Allah Ta'ala l'unique créateur, ça veut dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les choses, qu'ils soient les corps ou les actes. C'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures. Toutes choses passent par sa volonté. C'est Allah le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui. Allah Ta'ala l'Omniscient, rien n'échappe à sa science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est tel que lui. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. وهنا نتذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته فعن جندب ابن عبد الله قال كنا مع النبي فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن فلما قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا رواه ابن ماجه. Alors regardons encore Sayyidina Muhammad comment il a enseigné ses compagnons. On parle d'un compagnon qui s'appelle Jundub, fils de Abdullah, en disant nous étions jeunes, proches de l'âge de la puberté. Garçons, on n'est pas encore pubère. Hazawira, jamu hazawat. On n'est pas encore pubère, proche. C'est-à-dire, on était avec le prophète et lui, il était petit. Alors, il a dit il nous a enseigné l'imam avant de nous enseigner le Coran, la lecture du Coran. On a appris tout d'abord le tawhid. On a appris comment on croit en Dieu avant d'apprendre les versets du Coran par cœur. Et lorsqu'on a lu le Coran, lorsqu'on a appris le Coran, ça nous a fortifié dans la foi. لما الإنسان يتعلم التوحيد ويتعلم ما يجب لله وما يستحيل على الله ويتعلم ما يجب للأنبياء وما يستحيل على الأنبياء لما يتعلم الأصول فإذا قرأ القرآن حمل الآيات على الوجه الصحيح. وإذا أشكل عليه أمر يقول هذه الآية لابد أن نرجع فنقول ما معنى الرحمن على العرش استوى يقينا ليس جلوسا أو قعود ليس لأن المتصف بالجلوس والقعود هو المخلوق هو المحدود والله تعالى ليس بمحدود فيحد والله خالق ليس بمخلوق. Alors lorsqu'on apprend les fondements de la foi et par la suite on apprend le Coran,
des fois tu passes par un verset apparemment équivoque, comme Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Alors tu dis, c'est sûr que istawa, ça ne veut pas dire s'asseoir, s'établir, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus par la direction, parce que ça c'est les attributs des créatures. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala a dit, laysa kamithlihi shay. Alors s'asseoir et s'installer, toucher au-dessus par la direction, c'est quelque chose qui ne convient pas au Créateur, c'est les attributs des créatures. Alors l'aya ne veut pas dire ça. Je vais demander. Alors les savants ils vont te dire, soit tu dis istawa comme il a dit, comme et pas comme il vient à l'esprit, ou on dit istawa, ça veut dire à dominer le trône, à préserver le trône. هذه العقيدة الحق. ولكن إلى الآن والهادي هو الله ما هيك الهادي هو الله إلى الآن بعض الناس يريد أن يقول الله جالس الله قاعد قولوا لهذا الإنسان أنت كافر بالله المجسم كافر هكذا قال الشافعي هكذا قال مالك هذا قال أبو حنيفة هكذا قال العلماء العاملون jusqu'à maintenant il y a la secte Wahhabite. Il y a quelqu'un qui a passé chez nous, il a entendu ce discours, il cherche toujours à écrire Allah est un, il s'assoit sur le trône. Ils disent il s'assoit sur le trône et il met les pieds sur le coursi et ils disent il a un tibia et ils disent il a des souliers en or et le jour du jugement ils disent il y a une place à côté de lui pour Muhammad. Tout ça c'est de la mécréance. Tout ça c'est une croyance qui fait sortir de l'islam. Parce que comme il a dit l'imam al-Tahawi, vous avez vu sur le tableau là-bas, l'imam al-Tahawi, c'est un imam qui est mort 11 siècles, a dit « وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرِ » Il a dit l'imam al-Tahawi, et celui qui attribue à Allah un attribut, parmi les attributs des humains à mécru, et parmi les attributs des créatures, le fait de s'asseoir, le fait de dire on a, Allah il a une couleur, le fait de dire qu'il a des membres et des organes, tout ça c'est de la mécréance et ça a été dit par des grands imams avant de parler de Nawawi, Al-Qadi Iyad, Badr al-Rashid al-Hanafi, c'est déjà ce qu'il a dit l'imam Abu Hanifa, wa Shafi'i, wa Ahmad et les autres imams. Alors Luqman a enseigné à son fils At-Tawhid. بعد ذلك, qu'est-ce qu'il lui a dit? بعد ذلك قال له ومن يعمل بعد ذلك قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Après qu'il lui a parlé que la base c'est le fait de croire en Dieu et au jour dernier et croire à ses attributs de perfection, il lui a ordonné à maintenir la prière qui est la plus grande adoration pour cette communauté et pour les communautés précédentes. La prière vient après l'imam. As-salat ta'ti ba'da al-imam. فلذلك لقمان بعدما نهى ولده عن الشرك قال يا بني أقم الصلاة. Il lui a dit oh mon fils, maintiens la prière ou fais accomplir la prière. Alors, في شريعة موسى كانت صلاتين. Au temps de Moussa alayhi salam, étaient deux prières par jour. Et في شريعة سيدنا محمد خمس صلوات. Et pour سيدنا محمد, Allah Ta'ala a rendu obligatoire cinq prières. Et regarde les mosquées. Regarde les mosquées dans le monde. Comment ils sont pleins. Pas assez dans la prière de Subh ou l'Isha, mais si on veut comparer les mosquées de la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les autres places, alors non, c'est une grande différence. Encore on dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Anna hadhi l'umma wa asabaha ma asabaha lakinna al-masajida تعمر بإقامة الصلوات فتجد المساجد يوم الجمعة مكتظة ولكن ينبغي أن نجتهد لتكون مكتظة في الصلوات الخمس فلا يكون حضورنا ضعيف لصلاة الصبح ولا لصلاة العشاء
النبي كان يحرص على أداء الصلوات الخمس في المساجد في المسجد. Le prophète a maintenu jusqu'à la maladie dans laquelle est mort à accomplir la prière dans la mosquée. إذن أمره بالصلاة وأمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Et il a ordonné à son fils, il a ordonné à son fils d'ordonner le bien et de blâmer le blâmable. وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لأن بعض الناس قد يتساءل لما بعض الأحيان نقول انتبهوا من الوهابيين أو انتبهوا من حزب الإخوان المجرمين هم. لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء يسوقون الناس إلى النار. والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أناس من جدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. Alors lorsqu'il a dit accompli la prière, ordonne le bien et blâmer le blâmable, on n'a pas le droit de dire moi je m'occupe de moi-même et un peu de mes enfants et mon épouse et je vais du mon travail à la maison et de la maison au travail à côté de le mur الحيط للحيط ويا رب السترة où je rentre pas dans les affaires des autres. أين أنت من قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alors celui qui dit que moi je prends soin de moi-même et de ma famille et point à la ligne. Alors tu es où par rapport à la parole de Dieu, à l'aïa que j'ai citée, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien, vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. تعرف أنه في بعض الأمم لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Vous avez entendu dans le Coran qu'il y a une communauté qui ont été maudits par Daoud عليه السلام par Jésus عليه السلام. Pourquoi? Ils ont désobéi, ils ont dépassé les limites et ils n'ordonnaient pas entre eux, ils ne blâmaient pas le blâmable entre eux. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Tu vois les choses à blâmer et tu ne dis rien. يعني انت بتقول انا هذا ينشر هذه العقيدة ينكر القدر وهذا ينشر التجسيم وهذا يزعم ان المعاملات في البنوك حلال وهذا يقول الطلاق بالثلاث ان كان غاضبا لا يقع او هو واحدة. هذه كلها مفاسد إن لم نحذر منها الناس قد يصدقوا ذلك. ونحن في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. أصلا النبي قال يأتي على الناس زمان يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. Alors j'ai dit à notre époque si la personne il voit ceux qui disent avec les moyens aujourd'hui sur internet qui propagent la croyance de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire ceux qui disent Dieu est un corps, ainsi de suite, et ceux qui nient le qadar, ceux qui insultent les compagnons du prophète alayhi salat wa salam et l'épouse du prophète alayhi salat wa salam, Aïcha, et celui qui dit le divorce trois fois, ça compte une, si tu es en colère, ça compte pas du tout, et celui qui dit ah non, l'argent à la banque, c'est pas de riba, ça c'est pour l'économie. Et on a des centaines de fatwas qui contredisent le Coran. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, ça va venir à une époque où les gens, le mal, ils le considèrent bien, et le bien, ils le considèrent mal. Et il faut qu'on soit parmi ceux qui sont actifs. Lorsqu'on apprend une chose, on l'enseigne. Et lorsqu'on enseigne, on donne l'argument. Quand on traira Ummah, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable. والله تعالى يحب المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو الذي إيش يسعى بنفع الناس يجتهد في طاعة الله. Le croyant fort est mieux et plus agréé selon le jugement de Dieu que le croyant faible. Pourquoi? Parce que le croyant fort il essaye de servir cette communauté, il essaye de faire, de transmettre le bien aux autres, il leur donne le bien, il blâme le blâmable, il est là, il court afin de faire des projets, des bonnes choses pour la communauté musulmane. Et l'autre, il
ne cherche à faire des choses que pour lui-même. Alors il y a une grande différence entre ce croyant et l'autre. Et croyant fort, c'est pas par le corps et le physique. Vous avez bien compris que celui qui est actif dans la dawa et dans le travail pour servir l'islam et les musulmans. النبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى عربية. Il a vu un bédouin. قال له هل لك إلى خير. Il a dit سيدنا محمد un bédouin. Je t'indique un bien. قال العربي ما هو. Le bédouin a dit lequel. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Le fait de témoigner qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah, c'est-à-dire lui-même. قال من يشهد لك. Le bédouin a dit qui témoigne pour toi. نظر النبي في الوادي رأى شجرة بعيدة إلى في أنا أسلم على الوادي تلع هذه الشجرة فرضي الأعرابي قال نعم فدعاها النبي le prophète a appelé l'arbre فجاءت تخض الأرض خضا l'arbre est venu en train de labourer la terre jusqu'il s'est mis devant سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي للشجرة من أنا يا شجرة et le prophète a dit à l'arbre qui suis-je ô arbre. قالت أشهد أنك لرسول الله ثلاثة. Elle a dit je témoigne que tu es le messager de Dieu en arabe littéraire en répétant trois fois أشهد أنك لرسول الله. Je témoigne que tu es le messager de Dieu. Et le bédouin a dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Il a embrassé l'islam. Et le prophète a dit à l'arbre de revenir à sa place. Est revenu l'arbre à sa place. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسانا غريبا ما بقي ساكتا بل دعاه إلى الإيمان والإسلام والله يهدي من يشاء وما على رسول إلا البلاغ. يعني واحد منا أحيانا بيطلع بيكون بالطريق بيكون بزميله بالشغل بالقطار بالباص بالسيارة بالطيارة بالتنزه أينما كنت. أنت لو قلت لهؤلاء الناس عندي كيلو من الذهب أعطيك إياه واحد يقول عنك متوحش لا فأنت تعرض عليه شيئا خير من ذهب الأرض كله فلا تستحي أن تكون داعيا إلى الله وما على الرسول إلا البلاغ. J'ai dit, le prophète a parlé avec cet homme qui est d'une autre tribu, bédouin, du désert. Et grâce à son appel, cet homme a embrassé l'islam. Et c'est Allah qui crée la guidée, c'est pas Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad transmet avec les jolies paroles, avec les preuves et les arguments. Et en fait, Allah a guidé le bédouin à embrasser l'islam. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Lorsque tu es dans le train, dans le bus, au milieu du travail, pendant un promenade, dans l'avion, dans le train, je ne sais pas, on se trouve, il y a des gens avant nous. Si tu proposes à l'un parmi les gens un kilo d'or, ou plutôt un sac dans lequel il y a 100 pièces de diamants, et chaque pièce, ça coûte 1 million, 100 000, elles vont dire, tu es sauvage? Pas du tout. Tu me le donnes ça avec ton propre gré? Oui, je te donne ça. Ah, mais vraiment, tu es exceptionnel. Lorsque tu proposes l'islam, lorsque tu proposes à quelqu'un de croire en Dieu qui nous a créés, tu dis aux gens, croyez en Dieu qui a créé pour nous l'air qu'on respire, l'eau fraîche qu'on boit. Croyez en Dieu qui nous a donné la raison, les pieds, les mains, les yeux, la langue, les dents. En fait, tu lui appelles à quelque chose qui est plus cher que tout l'or qui existe sur terre. S'il accepte, c'est mieux pour toi que tout bien qui existe sur cette terre. S'il n'a pas accepté, tu n'as pas fait du mal, mon frère. Tu n'as pas fait du mal. Tu as essayé de transmettre. Et ça veut dire, tu es un homme fort dans la foi. هذا المؤمن القوي. هذا المؤمن القوي. هلا. بأخلاقكم. أنا combien de fois j'ai dit votre comportement, votre manière de s'habiller, le parfum que tu le mets, le sourire que tu as lorsque tu viens au travail, lorsque tu rencontres les voisins, les gens dans le bus, lorsque tu laisses la place pour quelqu'un qui est plus âgé que toi, lorsque tu cours à aider un homme âgé même s'il n'est pas musulman, on est d'accord? Lorsque tu cherches à être un membre exceptionnel dans le quartier, dans la ville, dans la société, tu es le minaret de l'islam.
Et comme j'ai dit, ils ont réussi, l'UDC, à nous empêcher de faire des minarets en Suisse. Mais on a dit, on va remplacer cela par le fait que chaque musulman cherche à être un minaret qui représente l'islam et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, pour lequel Allah a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim »« Fakunu ala khuta nabiyikum » بالخلق والعمل والصبر والاجتهاد في طاعة الله. Soyez sur le pas du prophète عليه الصلاة والسلام par le comportement, par la motivation, par la ferme volonté à présenter bien l'islam comme il a fait سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثاره اقتدى واقتفى. عباد الله, أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله, فاتقوا الله تعالى في السر والعلن, واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها, فأحسنوا يحسن الله إليكم. Sachez que chacun de nous, puisqu'il est là, le descendant de Adam, va goûter la mort. Et la mort n'est pas quelque chose qui est prédestiné seulement pour ceux qui ont pris leur retraite, 65 et plus. Combien de fois il vient avant? Combien de fois il vient vers les jeunes? Parce que les causes de la mort sont nombreuses. Alors soyez prêts à tout moment. Si tu es vivant le matin, n'attends pas le soir. N'attends pas que tu restes vivant jusqu'au soir. Et si tu es vivant le soir, n'attends pas l'aube. Plutôt cherche à accomplir les choses comme si tu vas mourir cette nuit. Tu sors de toute injustice. Tu fais tes obligations, tu fais tes invocations à ton Seigneur, et que tu sois prêt, si l'ange de la mort, je suis prêt. On est les descendants de Adam, on va goûter de la mort, même si on vit très longtemps, un jour, ils vont nous porter dans un cercueil pour nous faire rentrer dans une tombe. Et on prend avec nous des actes, on ne prend pas avec nous des habits, le tissu, le linceul, sans poche. On prend des actes, ce qui fait que la tombe sera élargie avec la lumière de la pleine lune, comme la pleine lune. Et tu vois une place dans le paradis, ou plutôt des actes qui rendent que la tombe sera serrée, sombre, et tu vois une place dans l'enfer. Nas'alullah as-salam, wal-afwa wal-afiya, wa husna al-khitam. Et prenez soin de vos enfants. Le conseil que j'ai cité dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il a dit Luqman à son fils? J'ai pas pu terminer aujourd'hui, peut-être on va continuer dans une autre fois, mais cherchez bien à faire le travail comme il faut envers vos enfants. Et il y a beaucoup de dangers à nos jours qui n'existaient pas au temps de Luqman. À nos jours, il y a l'internet, il y a le téléphone, il y a la télévision, il y a les mauvais copains, il y a des milliers de dangers qui n'existaient pas à l'époque. Alors votre travail doit être beaucoup plus grand. Il y a une grande responsabilité que Dieu vous aide. Nas'alullah an yu'inana wa an yahfadana wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyi Muhammadin faqala fi muhkam at-tanzil. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به,
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل يا ربنا مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.